Alors, vous savez qu'Anne Hidalgo est très décriée, la pauvre, en ce moment. Ouais, moi, j'ai voulu la soutenir. Et j'ai créé une association, l'association des amis d'Anne Hidalgo. Ça n'a pas dû en trouver beaucoup. Ça existe. L'AAH. Et j'ai appelé des Parisiens pour leur demander de s'inscrire à cette association de soutien à Anne Hidalgo. Écoutez. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'association des amis d'Anne Hidalgo à l'appareil. Ah oui. Alors on a monté une association pour soutenir la maire de Paris. Ah parce que... moi je ne la soutiens absolument pas madame. Mais pourquoi monsieur? Mais parce que je ne l'aime pas du tout. Oh. Je n'ai pas envie de faire partie des amis d'Anne Hidalgo. Je vous souhaite une bonne journée. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. C'est l'AAH à l'appareil. Oui. L'association des amis d'Anne Hidalgo. Non, non, ça m'intéresse pas du tout. Vous voulez pas lui enregistrer un petit message de gentillesse? Non, j'ai rien à lui dire. Parce qu'elle est un petit peu déprimée en ce moment, tout le monde est contre elle. Eh oui, et puis nous, on voudrait pouvoir passer en voiture. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour madame. C'est l'association des amis d'Anne Hidalgo à l'appareil. Oui, alors? Bah, vous savez, la maire de Paris, tout le monde est un petit peu contre elle en ce moment, on fait une association pour la soutenir. Ah non, bah alors moi je suis contre elle aussi, alors. Mais c'est pourquoi? Pas la peine de m'appeler, hein. Ah non. Mais je vous dirai pas pourquoi, pas pour plein de choses. Écoutez madame, n'insistez pas, je suis très colère. Mais madame, elle n'a pas le moral, vous pouvez pas lui faire un petit message d'encouragement? Non, pas du tout. Vous savez, voilà. Si vous adhérez à l'association, vous pouvez gagner un tour de grande roue gratuit. Ah mais ça, alors là, ça m'étonne. Et une télécommande pour changer vous-même la couleur de la tour Eiffel. Oui, c'est la même. Allez, bonne journée. Et madame, je ne vous ai pas dit mon nom si vous changez d'avis. Non, allez-y, dites-moi votre nom. C'est Anne Romanoff. Et vous... alors? Je ne changerai pas mon opinion pour ça, hein. Allô? Oui, bonjour madame. C'est l'association des amis d'Anne Hidalgo à l'appareil. Non madame, écoutez, je suis à table. Vous appelez toujours à la même heure, hein? Ok, merci. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je fais partie de l'association des amis d'Anne Hidalgo. Ok. L'AAH. D'accord. Parce que vous savez, Anne Hidalgo est très attaquée justement en ce moment et nous faisons une association pour la soutenir. Cool. Vous seriez prêt à y adhérer? Ah non, du tout. Parce que vous avez des avantages, en fait, il y a une cotisation de 65 € par semaine, et vous avez droit à une balade sur les voies sur berge en 4x4, un tour de grande roue gratuite, vous voyez? Non. Parce qu'elle est très seule en ce moment, elle l'a dit. Mais pourquoi ça vous fait rire, monsieur, la détresse? Elle se donne à fond pour sa mairie, vous savez? Mais la détresse, c'est pas fou, ouais. Mais enfin, je veux dire, j'ai rien contre Anne Hidalgo. Ah. J'en ai rien à faire qu'elle soit mal dans sa peau. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, je veux dire, c'est pas un argument, ça, elle est pas bien dans sa peau, mais qu'est-ce que c'est que ce... Et alors? Je veux dire, elle a pas bien mangé aujourd'hui, ou qu'est-ce que c'est ça? Mais non, mais elle sent une hostilité alors qu'elle fait beaucoup pour Paris, vous savez quand même. Mais c'est pas, oui, mais enfin, il y a un autre argumentaire qu'elle se sent pas bien dans sa peau en ce moment, enfin, c'est ridicule. C'est hyper, c'est même presque méprisant pour elle, en un sens presque même. Enfin, c'est pour vous lui fassiez un petit mot pour la soutenir. Je vous enregistre, monsieur, dites-lui un petit truc. Anne, tenez-vous. Mais enfin, ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Un petit mot gentil, voilà. Monsieur, je vous ai pas dit mon nom. Non, mais si vous voulez soutenir Anne Hidalgo, vous m'appelez. Je suis Anne Romanoff. Voilà, bon. Très bien, c'est parfait. Alors, vous pouvez me faire un petit mot pour Anne Hidalgo? Oh, mais c'est pas possible, elle va pas me lâcher. Anne Romanoff, ah, sur TF1.